Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les anneaux de Quidditch dans Harry Potter. Désolée, je l'ai oublié. Alors, pour cela, il vous faudra une feuille jaune, format A4 de Clairefontaine. Moi, j'ai pris jaune, mais après, vous prenez la couleur que vous voulez. Une paire de ciseaux et une équerre ou une règle. Et moi j'en ai pris deux, mais après vous pouvez en prendre qu'une. C'est les bâtons pour accrocher ça, enfin les bâtons Quidditch. Là il y aura là on va coller. Et là bah c'est beau. Ça, un bâton fait 2 mètres et comme ça, ça fait 1 cm et demi de diamètre. Et il faut aussi de la colle chaude. Pour faire ces cercles, moi j'en ai pris 16 parce que moi je peux pas en mettre encore un parce qu'après ça se déchire. Du coup, moi j'en ai pris 16. Là, il y en a 16. Et là, il y en a que 15. Du coup, le 16e, je vais le faire en vidéo. C'est parti, mon kiki. Alors, nous allons commencer. Si vous avez vu la vidéo de Griffes de Dragon, en fait, c'est tout simple. C'est pareil. C'est, voilà, là, c'est une griffe. Mais là, on va pas faire... ok. On va pas faire une griffe, on va faire les anneaux. Alors, déjà, sur une feuille, vous allez avoir deux carrés. Je vais vous montrer comment le faire. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir tout assembler. Thank you.
Après, si dans les années de Quidditch, et ben vous arrivez à en faire plus, genre en 17e ou en 18e, c'est le vôtre, alors c'est vous qui faites comme vous voulez. Alors voilà, nous avons mis nos trois bouts, nos trois bâtons. En fait, sur les deux, on a coupé. Après, vous, l'auteur, c'est vous mettez l'auteur que vous voulez. La hauteur que vous voulez. On les a plantés dans des cartons. On a mis des feuilles blanches pour que ça fasse plus beau. Et on va mettre les anneaux. Maman, elle va juste le coller. La colle chaude, ça peut me faire mal. Plus tard, quand on saura comment faire, on fera le soif, le vif d'or et le cognard. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Abonnez-vous et mettez des pouces bleus. Au revoir. Et regardez les Harry Potter.